cette deuxième journée, les Girondins avaient un bon coup à faire à domicile contre les Monégasques. 0-0 au final, les Girondins sont 18e barragistes, les Monégasques sont 15e. Les Canets aussi avaient un bon coup à faire, mais se sont inclinés à la 90e minute de jeu sur ce penalty provoqué par Denis Sapia. Nolan Roux le transforme. Les Lensois s'inclinent aussi un but à 0 à la 93e minute de jeu grâce à un but de Ladislas Dounamia. Les Guingampais sont 9e, les Lensois sont 8e. Les Lorientais